Alors nous sommes très heureux de vous présenter l'exposition consacrée à cette grande figure de l'art brut qui est Anna Zemankova. Et cette exposition s'intitule « Hortus Deliciarum », c'est-à-dire « Jardin des délices », et qui fait à la fois référence à un ouvrage du XIIe siècle qui recense toutes les connaissances de cette époque richement illuminées, et au Jardin des délices de Jérôme Bosch qui dépeint une nature à la fois ravissante et inquiétante, donc une sorte de beauté vénéneuse qu'on retrouve dans ses travaux. Alors qui était Anna Zemankova? Elle est née en 1908 en Moravie, elle est décédée à Prague en 1986. Et elle s'est mise à la cinquantaine à produire des œuvres qui ne réfèrent à aucun genre et à aucune catégorie. La particularité, c'est que très récemment, elle a traversé les frontières de l'art brut puisqu'elle a été accueillie à la fois à la Biennale de Venise. Une quinzaine d'œuvres sont également entrées récemment dans les collections de Pompidou. Et que produisait-elle? Alors elle produisait des fleurs qu'elle disait ne poussaient nulle part ailleurs, si ce n'est dans son imaginaire, puisque tous les jours, à l'aube, à partir de sa cinquantaine, elle s'est mise dans un état un peu mélancolique, de transe, à effectivement faire surgir ces végétaux qui n'en sont pas vraiment, qui sont entre le biologique, l'organique, la flore. On voit que son processus a évolué au fil du temps. Tout d'abord des pastels assez majestueux, puis sont arrivés des collages et elle a ajouté également d'autres éléments et d'autres pratiques dans son processus assez expérimental qui allait du découpage à la broderie. Elle fabriquait du relief, elle gaufrait son papier et s'il lui arrivait même de consteller le fond du papier de milieu de trous d'aiguilles qui ne sont discernables que si vous les regardez à travers la lumière. Et donc ça a quelque chose de fascinant parce que la lecture de l'œuvre est à la fois double dans son sens et double dans sa forme. Donc fond et forme nécessitent que chacun de nous fasse la moitié du chemin et que le regardeur s'approprie ce travail qui est absolument saisissant et il peut le faire jusqu'au 18 juillet.